Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une carte Stranger Things. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est Stranger Things, c'est ça. Donc c'est ce logo quoi. Ça passe sur Netflix. C'est une série où en fait c'est une bande d'amis qui vit plein d'aventures. Et en fait dans la ville il y a plein de phénomènes surnaturels. Voilà. Donc je vous conseille d'aller le voir. Donc moi j'ai décalqué une image que j'ai imprimée. Donc c'est un dessin de Kiddy Fun. Voilà. Donc vous pouvez le trouver sur Facebook. Donc il vous faudra alors une image. Donc moi j'ai pris Justin. Oui, il s'appelle comme ça. Il vous faudra des feutres. Du coup moi j'ai pris ces feutres. Voilà. Du coup une image. Donc moi j'ai rajouté comme Kiddy Fun, j'ai rajouté la même phrase qu'elle. Voilà. Parce que j'aime bien cette phrase aussi. Et il vous faudra une feuille blanche cartonnée. Donc vous pliez votre feuille blanche cartonnée comme ceci. Donc votre carte va s'ouvrir. Attendez, que je dise pas de bêtises. Voilà, comme ceci. Alors, vous allez prendre votre image. Donc, moi, c'est Justin, du coup. Et on va la retourner comme ça. Vous allez la retourner comme ceci. Vous allez prendre votre crayon de papier. Voilà. Donc, je ne l'ai pas mis dans la liste de matériel. Et vous allez repasser par-dessus. En appuyant bien fort. Normalement, ça doit repasser de l'autre côté. Donc je vous retrouve après dès que j'aurai tout décalqué. Donc voilà ce que ça vous donne après que vous avez décalqué. Du coup après il faudra juste repasser sur les traits. Du coup je vous retrouve après dès que j'aurai repassé sur les traits. Donc moi j'ai repassé sur les traits par contre en noir. Voilà pour que ça ressorte. Donc voilà ce que ça donne. Donc quand ça repasse en noir. Du coup, vous avez juste à passer au coloriage. Du coup, alors il vous faudra. Donc voilà les couleurs qu'il vous faudra. Du coup, il vous faudra du jaune, du rouge. Facultatif pour celui-là. Du gris. Du bleu. Et du marron. Donc j'ai oublié de dire, mais vous pouvez aussi prendre le personnage qui. N'importe quel personnage, celui-là qui vous plaît, que ce soit Stranger Things ou pas. Voilà. Donc alors.
Donc on va commencer par sa casquette. Du coup, pour sa casquette, c'est bleu là. Là, donc c'est bleu. Donc là, il vous faudra le rouge. Attention à ne pas en mettre sur les cheveux, hein, bien sûr. Donc par exemple, vous pouvez prendre Will, donc Justin comme lui, le démon Gorgon. Vraiment n'importe quel personnage. C'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez même prendre Max. 11 aussi comme vous voulez. Et même pourquoi pas même faire le logo. Alors après, il vous faudra le marron pour les cheveux. Donc vous aurez pu, vous pouvez aussi rajouter un fond à l'arrière. Moi j'ai choisi blanc. Mais après, vous pouvez très bien rajouter un fond, bien sûr. C'est vous qui voyez. Comme vous le souhaitez. Bon, comme vous voyez, j'ai changé de feutre parce que le mien commençait à ne plus marcher. Voilà. Donc j'ai essayé de prendre la couleur qui se rapprochait le plus. Sauf que lui aussi on dirait qu'il fait bien un peu. Je pense que j'en aurai assez pour le reste des cheveux. Donc je retrouve après, dès que j'aurai fait les cheveux.